Le 24 mai dernier, le vendredi 24 mai dernier, au tribunal, au pôle pénal économique et financier, il y a un verdict qui a été rendu par rapport à des agents de l'AGEF, l'agence foncière. Il se trouve que l'ex-directeur général de cette agence et certains agents ont été accusés. Je vais lire les chefs d'accusation pour être sûr de ne rien oublier. Ils ont été accusés de faux et usage de faux dans des documents administratifs, d'escroquerie portant sur du numéraire, d'enrichissement illicite, de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux portant sur des milliards. Vous voyez tout ce que j'ai cité là, sur des milliards. Et le verdict n'a été qu'une condamnation à 35 mois de prison avec une amende de 5 milliards. On en parle parce que quand on dit qu'on n'est pas dans un état de droit, vous pensez qu'on est contre le pouvoir alors qu'il ne s'agit pas de ça. Ce sont des réalités. Notre justice n'est pas juste. Voilà des gens qui ont détourné des centaines de milliards, qui ont fait tout ce que je viens de citer là. On dit 35 mois. Et puis en face, vous voyez des gens qui ont abus de confiance, on leur donne 10 ans. C'est-à-dire qu'on joue avec la vie des gens. Moi, j'ai une amie qui est en prison, on lui a donné 10 ans pour abus de confiance. Et quelqu'un qui a détourné des milliards, on lui donne 35 mois. Ça fait même pas 3 ans. Ça fait 3 ans là, c'est 36 mois. On a une justice à 1000 vitesses, c'est même pas 2 vitesses. À 1000 vitesses. Il y a des gens qui ont détourné des centaines de milliards dans ce pays, c'est pas aller quelque part. Aux dernières élections, même, ils étaient candidats. Il y en a d'autres, on les a mis tout simplement sous contrôle judiciaire et puis la vie continue, ils sont toujours à leur poste. Vous voyez, non? C'est le pays dans lequel on est. C'est le pays dans lequel on est. En tout cas, nous, on veut dénoncer cela. Et on va toujours dénoncer cela. Il y a une injustice avec la justice. La justice est instrumentalisée pour faire du mal à certaines personnes et d'autres sont exemptes. Certains sont au-dessus de la loi carrément. Donc, c'est pour ça que je vous ai cité tous ces exemples, pour que vous-même vous voyez que c'est pas un jugement de valeur, ce sont des réalités. La justice ivoirienne a un problème. Quelqu'un qui détourne des milliards, qui n'a même pas 3 ans de prison, et pour abus de confiance, un délit pour lequel même on passe dans les grâces présidentielles, on s'en a donné 10 ans à quelqu'un là-bas. Il y a un problème. Et il y a certains à qui, il y a certains qu'on ne condamne même pas du tout, pour des centaines de milliards. Donc, vraiment, on voulait dénoncer cette injustice et puis dire, Yako, à tous ceux qui subissent ces injustices-là, c'est pour cela qu'il faut que chacun aille se faire inscrire sur la liste électorale. C'est là-bas qu'on change les choses. J'ai appris dans les coulisses que ce sera à partir du 15 juillet. On attend l'annonce officielle pour pouvoir en parler. Mais si dans votre entourage, vous avez des gens qui ont 18 ans, faites-les inscrire. Ceux-mêmes qui sont découragés là, vous êtes découragés. Si vous ne votez pas là, qui n'a qu'à aller changer les choses pour vous? C'est nous tous qui devons aller voter pour changer les choses. Donc vraiment, allez voter. Quel que soit ce qui vous a découragé, là, chacun fait son travail. Pour les organes qui organisent les élections, là, il y a des gens qui sont là pour lutter pour ça. Il y a nous les organisations, il y a aussi l'opposition, mais que chacun prenne ses responsabilités. Le rôle du citoyen, c'est d'abord même de voter. Donc il faut que chacun s'assure qu'il est inscrit sur la liste électorale et faites inscrire tous les nouveaux majeurs. C'est dans les urnes que ça se décide. Et on va venir vers vous pour vous dire ce qu'on regarde pour voter. C'est pas riz, huile, pain, sardine, c'est pas ça. Parce qu'il s'agit de votre avenir. Le vote n'est pas un jeu. On va revenir dessus. Les bourses des étudiants de l'INFAS et Côte d'Ivoire. On dit à l'INFAS là-bas, là. Et pendant les 3 années d'études, il y a des gens qui ne reçoivent pas leur bourse. Tu peux être en 3e année, on va te donner une bourse de 1ère année et puis après, on te donne même plus le reste. On sait pas où ça s'en va. On ne sait pas où les bourses là s'en vont. On ne paye pas les bourses des étudiants de l'INFAS. Il y a un retard dans les paiements, retard qui fait que finalement, certains finissent leur formation sans avoir reçu l'intégralité de leur bourse. Même problème par rapport à l'ENS. Il y a une indemnité qu'on appelle indemnité d'encadrement des stagiaires. C'est 50 000 seulement. Mais les 50 000 là, ils n'ont pas payé pour 2021. On est en 2024. Et après 3 ans d'attente, c'est la semaine passée, les gens ont viré la moitié. Et ils ont viré la moitié sans même expliquer aux bénéficiaires que, enfin, pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Pourquoi on paye la moitié? Quand on va payer le reste, ils n'ont reçu aucune note, ils n'ont reçu aucune explication.
Voilà le pays dans lequel on est. L'argent qui est destiné à quelque chose, l'État met cet argent-là à la disposition des gestionnaires et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ça n'arrive jamais au niveau des bénéficiaires à temps. Et ça, c'est presque généralisé, malheureusement. Donc, à l'ENS aussi, il y a un problème. Les sapeurs-pompiers civils, on vous en avait parlé la dernière fois, ils sont maltraités. C'est un corps qui a été créé il y a plus de 10 ans. Ils ont été créés et ils n'ont pas le même traitement que les autres. Les autres sous-officiers ont une indemnité de logement de 110 000. Eux, pour eux, là, c'est 70 000. Ils ont tout en deçà des autres. Et depuis plus de 10 ans qu'ils ont été recrutés, ils ont seulement eu une dotation de 2 tenues, un béret, une porte de botte et une ceinture. C'est-à-dire que leur habillement même là, on s'en occupe pas. Alors que tout ça, ça participe de l'image des sapeurs-pompiers. L'autre problème qu'ils ont, c'est que ils ont des problèmes même pour se soigner. Ils ont un de leurs camarades qui a été, lors d'une intervention, il a été renversé. Pour une opération de 600 000, il est décédé. Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour l'opérer. En tout cas, ils sont très peinés à la façon dont on les traite. Donc, on veut interpeller l'Office national de protection civile sur la situation des sapeurs-pompiers civils. Faut que vraiment, on essaie de revoir leurs conditions de travail. À la geste aussi, également, il y a des agents qui se plaignent. On les gère sous le couvert d'une entreprise qui s'appelle Proximes et cette entreprise les maltraite. Ils travaillent 24 heures sur 24. Les heures supplémentaires sont pas payées. Les primes de jour sont égales aux primes de nuit, ce qui n'est pas normal. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On ne les embauche pas non plus. Leurs contrats sont précaires. On leur fait signer des contrats de un an, toujours un an et un an. Dans le droit du travail, ce n'est pas normal. Donc vraiment, ces travailleurs-là se plaignent et ils sont très mal payés. Les chargeurs du Sénégal, du Ghana, du Niger sont mieux payés que ceux de la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons interpeller la geste aussi. Soit vous les gérez directement, soit vous donnez des instructions à ce prestataire-là de faire les choses correctement. Il y va aussi de la santé de vos travailleurs et de l'image de votre entreprise. Voilà. L'eau potable à Béthier, on vous avait déjà parlé de Kotobi, de Divo, de Daloa. Il y a beaucoup de villes où l'eau potable n'est pas potable. Et la SODECI continue de donner des factures dans ces villes-là. Ça devient une escroquerie. C'est pas normal. Donc vraiment, on souhaite que la SODECI se revoie et qu'elle puisse distribuer de l'eau de qualité. Nous allons chercher les moyens pour pouvoir faire ce reportage. Quand vous allez voir la couleur de l'eau qui sort des robinets, vous serez dépassé. C'est comme si on avait creusé un trou pour avoir l'eau. L'eau là est rouge comme ça. On dit c'est l'eau de SODECI. Et pour ça, les gens payent des factures. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Voilà. Quand on annonçait notre direct, on vous avait annoncé qu'il y a des opérateurs économiques qui sont maltraités. Vraiment, mettez des cœurs et partagez le direct. Parce que ce qu'on va dire maintenant là, c'est tellement grave qu'il faut pas que ça se coupe. Il se trouve que à l'IPNET, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, c'est situé à Cocody, pas loin du lycée technique, il y a une entreprise qui s'appelle Panoma Group, qui a conclu un contrat avec l'IPNET pour s'installer au sein de l'IPNET pour exercer ses activités. Et dans le cadre de ce contrat-là, l'entreprise devait prêter aussi ses ateliers à la formation des étudiants. Et donc, c'est un contrat gagnant-gagnant. Il se trouve que ce contrat d'un an qui a été signé en décembre 2020 devait être renouvelé ou rompu à la fin de l'année 2021. Mais à la fin de l'année 2021, il y a eu une reconduction tacite puisque l'entreprise a continué de travailler sans que l'IPNET ne réagisse. Et donc, le partenariat se passait sans problème. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que à fin décembre 2021, l'entreprise était à 123 millions d'investissements. Donc, 2021, il ne s'est rien passé, 2022 non plus. Même en 2023, l'entreprise travaillait jusqu'à ce que en juin 2023, l'entreprise donne un préavis de 3 mois, l'IPNET plutôt donne un préavis de 3 mois à l'entreprise pour partir, sans faire aucun cas des impenses, c'est-à-dire des investissements que l'entreprise a réalisé sur le site. J'ai dit que je venais m'installer sur ton site. Tu étais d'accord. J'ai fait des investissements. On a un an
de contrat. Au bout de la première année, tu ne m'as rien dit, j'ai continué de travailler. J'ai travaillé la deuxième année. Et au milieu de la troisième année, tu viens me dire de partir sans me dire comment sera géré les investissements que j'ai faits sur ton site. Voilà, simplifier l'explication des choses. Donc, l'entreprise a quand même continué de travailler. Et il faut dire que les trois mois là, c'est pas réglementaire. Dans le droit commercial, quand on veut expulser quelqu'un, on lui donne 6 mois. Et là, ils ont donné 3 mois. Donc, en janvier 2024, l'entreprise écrit à l'IPNET à travers ses avocats pour un accord amiable. Ça n'a pas prospéré. De sorte que, à la fin de l'année 2024, l'affaire aille au tribunal. Et l'IPNET s'est permis de débrancher même les installations de l'entreprise, ce qui va lui faire des pertes, ça lui cause des préjudices. L'entreprise a pu trouver une solution palliative. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ce matin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. La justice que nous avons là, on ne sait pas sur quelle base elle travaille. Ici, là, on met le droit de côté. C'est comme ça on fait. Le tribunal de première instance du commerce a tranché en faveur de l'IPNET, on ne sait sur quelle base. Elle a jugé l'entreprise avec des défauts tant dans la forme que dans le fond. Par rapport à la forme, on ne sait pas par rapport à quoi l'IPNET a raison, puisque l'IPNET n'a pas respecté la procédure. Mais par rapport au fond, c'est ça même le plus grave. Je vous ai précisé tout à l'heure qu'au bout de la première année du contrat, l'entreprise était à 123 millions de dépenses en investissement. Mais là où je vous parle, au moment où le verdict était rendu, puisqu'on l'a, on a reconduit de façon tacite le contrat, l'entreprise a travaillé normalement. Et elle a investi à ce jour 767 millions. Et le tribunal de première instance du commerce se permet de donner un verdict sans tenir compte des impenses. Ça là, dans quel état on est? Est-ce que c'est logique? Vous-même, quand vous jugez ça là, c'est logique. Et c'est un juge qui fait des choses comme ça. On peut pas rendre un verdict de ce genre alors que quelqu'un a investi des centaines de millions. On lui dit bon, faut partir et on ne lui dit pas comment il entre dans ses fonds par rapport à ses investissements. Normalement, on devait donner l'ordre à l'IPNET. C'est-à-dire, si vous vous êtes d'accord en tant que justice pour que l'entreprise parte, donnez l'ordre à l'IPNET de rembourser les investissements de l'entreprise puisque l'entreprise n'a pas soulevé ses installations pour partir. Ou alors, vous donnez l'ordre à l'IPNET de payer une indemnité d'éviction. Et ça, ça est dans la loi. C'est pas moi qui vais vous apprendre votre travail, ça est dans la loi. Et cette indemnité d'éviction-là doit pouvoir couvrir ce qu'il faut pour que l'entreprise déplace ce qu'elle peut déplacer et les préjudices subis à cause de toute cette situation. Voilà ce qu'un juge normal aurait fait. Et c'est pour ça que nous en parlons. Parce qu'on dit « année de la jeunesse ». On demande aux gens de venir entreprendre au pays. Et des gens viennent en Côte d'Ivoire, remplis d'espoir pour investir. Et c'est l'État lui-même, à travers ses structures démembrées là, qui casse ses opérateurs là, qui détruit tous leurs rêves et qui détruit leur entreprise. Donc, pour conclure, nous voulons interpeller la directrice de l'IPNET. L'administration, là, c'est une continuité. Même si c'est pas sous vous que le contrat a été signé, avant de faire partie quelqu'un, il y a des règles qu'on respecte. C'est tout ce qu'on demande. Monsieur le ministre de l'enseignement technique, ceux qui le connaissent là, allez lui dire, peut-être qu'il sait pas ce qui se passe là-bas. Mais au cas où il saurait, il faut qu'il se ressaisisse parce que c'est pas sérieux. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'il y a un agent de l'IPNET qui a dit que bon, l'entreprise n'a qu'à faire ce qu'elle veut, ce qui est sûr. Ils n'auront rien, le ministre même au courant, ça va pas quelque part. C'est pas à l'honneur du ministre que de dire des choses comme ça. Donc nous voulons interpeller le ministre de l'enseignement supérieur. Tout ce qu'on veut, c'est que l'entreprise entre dans ses droits. Vous discutez avec elle pour voir comment ça peut se faire. Soit on la laisse continuer d'exercer, soit on lui rembourse ses dépenses, ses investissements, soit on lui paye l'indemnité d'éviction. Et comme l'affaire va aller en appel, nous on sait que dans la justice, là, c'est vrai qu'elle est très gangrénée, mais on a déjà eu des échos de bons procès. On a déjà eu des échos de juges qui font leur travail. Donc maintenant, nous, on veut regarder le juge de la Cour d'appel du commerce. Le président de la Cour d'appel du commerce. On lui dit que nos espoirs sont tournés vers lui pour sauver la justice.
pour montrer que il y a une justice en Côte d'Ivoire quand même, malgré tous les déchets qu'il a mine, malgré le fait qu'elle soit gangrénée là. Il y a des juges qui font leur travail. Donc nous là, on demande pardon, parce que quand on dit une entreprise là, c'est des travailleurs, c'est beaucoup de choses. Il faut qu'ils sauvent cette entreprise. Monsieur le président de la cour d'appel du tribunal du commerce, nous là, on vous demande pardon de faire votre travail et de rétablir cette injustice qui a été commise au tribunal de première instance du commerce, pour que l'entreprise entre tout simplement dans ses droits. On ne demande pas de faveur, on demande tout juste que la justice soit faite, que le droit soit dit selon les principes qui le régissent. Donc vraiment, chers compatriotes, c'était pour porter aussi à votre connaissance cette affaire que nous allons suivre ensemble. On vous dira comment ça va évoluer, mais vraiment, c'est le pays dans lequel on est. La justice n'est plus juste et cela fait souffrir beaucoup les citoyens. Cela fait que on est dans un état de non-droit, les libertés sont restreintes. Tu même quand tu es dans tes droits, tu peux aller en prison. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, nous allons nous arrêter là pour les sujets d'aujourd'hui et faire le point de l'actualité en ce qui concerne ACI. On voudrait encore une fois remercier tous ceux qui ont participé au succès de notre formation du 18 mai. On vous annonce maintenant la consultation populaire du 22 juin. Il y a des partis et des organisations qui ont déjà reçu leur invitation. L'objectif de cette journée de consultation populaire, c'est de mettre ensemble les partis politiques et la société civile pour dire ce que les Ivoiriens veulent pour qu'il y ait des élections transparentes et apaisées en 2025. Chaque parti, chaque organisation va venir faire ses propositions. Nous allons en faire une synthèse que nous allons transmettre au président de la République parce que c'est lui qui a la décision. C'est entre ses mains que le destin du pays repose et pour la paix en 2025, nous allons lui dire ce que les Ivoiriens souhaitent. Donc, ceux qui ont reçu des invitations, qui nous ont déjà répondu, nous les en remercions. Ceux qui ont reçu des invitations, qui n'ont pas réagi, nous supposons qu'ils ont compris de quoi il s'agit dans l'exercice et nous les attendons. Ceux qui n'ont pas reçu d'invitation, qui ne s'offusquent pas. Il y a des organisations dont nous ne connaissons même pas le siège. C'est vraiment difficile. On n'a pas aussi les contacts de leurs membres. Donc, si vous pouvez nous contacter au 05 44 11 77 55, 05 44 11 77 55, c'est le numéro de notre directeur exécutif. Nous allons faire votre courrier et vous le faire parvenir à l'adresse que vous nous aurez indiquée. 05 44 11 77 55. Après, nous allons faire une publication dessus pour que vous ayez le numéro. Vous contactez ce numéro, votre courrier sera fait et il vous sera envoyé. Mais que